Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Merci encore pour cette grâce et vocation, Seigneur, notre Dieu. Je m'abandonne et je te prie plutôt. Bénis-nous, Seigneur, notre Dieu. Utilise ma personne et fais-nous du bien. Merci, oh Adonai. Merci, c'est dans le nom de Jésus et que j'ai prié. On dit Amen. Amen. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Amen. Je vous sens un peu trop froid. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Moi, je suis là pour chasser ton démon. Amen. Voilà, je suis là ce soir là pour chasser ton démon. Amen. Jésus a donné nous aller. Jésus a donné nous. Jésus a donné nous. Oh. Jésus a donné nous. Allez, Jésus revient. C'est ma propre composition. Oui, il y a une artiste qui a pris ça et qui a chanté. Mm-hmm. Mais c'est ma composition. C'est moi. C'est mon inspiration. Amen. Amen. Je chante dans beaucoup de langues ivoiriennes et tout ça. Jésus a donné. Jésus a donné nous. Jésus a donné. Jésus a donné nous aller. Jésus a donné. Jésus a donné nous. Jésus a donné. Celui qui me tient la main en même temps que moi. Jésus a donné. Dans le plan, c'est lui qui va me livrer. Jésus a donné. Cette parole s'est accomplie. Jésus a donné. Judas qui avait mis la main. Jésus a donné. Le même Judas qui a trahi Jésus. Jésus a donné. Ça parle un peu de mon appel. À mon salle, Dieu, c'est toi qui m'as choisi. Et tu m'as dit d'aller partout faire les nations les disciples. À mon salle. Faites la musique, des cris. À mon salé, oh, amour. À mon salé, oh, amour, amour. Yahweh, Yahweh. À mon salé, oh, amour. À mon salé, oh, amour. À mon salé, oh, amour. Amour, amour, Yahweh, Yahweh.
ta phrase, je vais dans ma langue. À mon salé, oh, amour. À mon salé, oh, amour. Yeah. À mon salé, oh, amour. À mon salé, oh, amour. Amour. Yahweh, Yahweh. Oh, bien, voilà, qu'on a, mon magre, et Gere gemu akibia o oye meme eli la gona mu magere gemu o gere gemu akibia o oye amusele o amu ye amusele o amu o amu amusele o ok, ça va aller. C'est notre morceau, nos chants chauds, phares. On va lier un peu le diable. Avoir bouillon. Avoir bouillon, avoir bouillon, les Jésus agrimois. Avoir bouillon, avoir bouillon. Agua gugnon, agua gugnon le Jésus agrimois. Agua gugnon. Non, agua gugnon. Agua gugnon. Agua gugnon. Attachons le diable au nom de Jésus. Attachons le diable. Agua gugnon le Jésus agrimois. Agua gugnon le Jésus agrimois. Agua gugnon. Gimoa, gimoa, gimoa. Agua gugnon. Agua gugnon, gimoa, agua gugnon, gimoa, 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 Jésus agimoa, agua gugnon. Dizi gugnolé, la gua gimoa, agua gugnolé. Jésus agimoa, agua gugnon. Gimoa, 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 agua gugnon. Je sens que je suis au Maroc. Parce que ce morceau-là, quand c'est chanté chez nous, c'est chaud. Alléluia. Dis à quelqu'un tu es béni. Dis à quelqu'un tu es béni. Amen. Tu comprends, mais c'est intéressant qu'on entend. Amen. Moi je préfère de chanter ma langue, tu me demandes dans l'explication. Parce que c'est déjà ma langue. Je veux montrer aux yeux de tout le monde qu'on peut chanter Dieu dans ma langue. La gosia ziliwa wo. La gosia ziliwa. Mon la gosia ziliwa wo. La gosia ziliwa wo. Ça dit, Dieu est plus fort. Il est plus fort que la sorcellerie. Il est plus puissant que les démons. Il est plus puissant que toi, tes ennemis. La gosia ziliwa wo. La gosia ziliwa wo. Très bien. Mon la gosia ziliwa wo. La gosia ziliwa wo. La gosia ziliwau. La gosi, la gosi, ça dit grand. La gosia ziliwau. 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 Ziliwau. Dans le monde, sur cette terre, sur cette planète, il n'y a pas plus puissant que notre Dieu. Amen. Ma
Matodoa, Lunaka la corruption. Amen. Mabeuo, ye, Matodoa, Lunaka la corruption. Mabeule, ye, Matodoa, Lunaka la corruption. Et ni la corruption. La gosia ziliwau, mon la gosia ziliwau, la gosia ziliwau, ziliwau, la gosia ziliwau, la gosia ziliwau, mon Dieu est plus fort que la sorcière, mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les marabouts. Mon Dieu est plus fort. J'étais malade, je suis allé voir les marabouts. Ils m'ont dit que si Dieu le veut, et je n'ai pas été guéri. C'est quand j'accepte Jésus, Jésus qui a délivré. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les marabouts. Yeah. Mon Dieu est plus fort. Mon la gosia ziliwao. La gosia ziliwao. Yeah. Mon la gosia ziliwao. La gosia ziliwao. Ziliwao. Ce CD est sorti il y a maintenant 2 semaines. C'est vrai qu'on a fait des clips vidéo qu'on a balancé au niveau de la télévision. On a commencé déjà la promo au niveau de la télévision ivoirienne. On a fait mais sur le tout dernier, c'est mon 5e album et enfin délivré. C'est mon 5e album, c'est sorti maintenant il y a 22 semaines sur le marché ivoirien. Amen. Amen. Voilà, donc il y a la Gozi qui est notre Monsoufa. La Gozi, il y a aussi Aguagunon. Il y a aussi ça, ouais, ça c'est en DVD, c'est en vidéo, les clips vidéo. Donc le chant que je viens de chanter, la personne qui va me chanter ça correctement aura gratuitement ce CD. Amen. Amen. Aura gratuitement ce CD. Le clip est déjà sur le net il y a longtemps, le clip est sur le net, ça passe sur le Facebook, c'est sur le YouTube. Nous sommes pratiquement à 4000 vues, et 4000, je crois 4000 déjà vues. Voilà, donc celui qui va chanter correctement aura le CD. La gosia ziliwao. La gosia ziliwao. La gosia ziliwao. La gosia ziliwao. Oh la gosia ziliwao. La gosia ziliwao. Ziliwao. La gosia ziliwao. Ziliwao. La gosia ziliwao. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les marabouts. Mon Dieu est plus fort. Il est plus fort. Il est plus fort. Il est plus fort. Mon Dieu est plus fort. Acclamer le Seigneur. Qui va chanter encore? J'aime bien ce qu'il a dit. Il est plus fort, il est plus. Là, je vais mettre ça. Ah, c'est toi, dedans. C'est pas bien. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les marabouts. Mon Dieu est plus fort. J'étais malade, je suis allé voir. Les marabouts, ils m'ont dit que si Dieu le veut, ça va aller haut. Ils m'ont dit que ça va aller haut.
mois passé, je n'ai pas été guéri. C'est quand j'accepte Jésus, Jésus-Christ m'a guéri. C'est plus mon histoire. J'étais vraiment malade, j'ai régalé un peu partout. Je suis issu d'une famille musulmane, j'étais là-bas musulman. Avant d'être devenu chrétien, le maraboutage, j'étais pratiquement dans le maraboutage. Parce que c'est ce que mes parents m'ont enseigné, tout ça. Et quand j'étais victime d'une maladie mystique, je regardais un peu partout. Même les marabouts me disaient, me faisaient inspirer. Mais c'est quand j'acceptais réellement Jésus-Christ qu'il a été délivré. Donc j'ai composé ce chant-là pour montrer que Jésus est puissant et que c'est lui, c'est en lui qu'on a la délivrance. Une dernière personne? Non. Et pourtant, vous regardez ma YouTube, vous regardez les clés, les vidéos, tout ça. Comme elle a déjà eu, je ne peux pas encore augmenter son stérato pour casser. Sinon, père de madame. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. Oh. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. Oh. Mon Dieu est plus fort. Ils ont dit que ça peut aller. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est la musique qui détruit les œuvres de la sorcellerie. Nous avons aussi ce CD, la prière prophétique. Et je vous assure, c'est 21 jours après un moment de prière. Voilà, merci. Après un moment de prière, que je suis rentré en studio. Je suis rentré en studio, j'ai fait une prise de voix, paf, 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 et puis on a balancé ça, on a mis ça sur le CD. Donc, la prière prophétique, acte 1, la loi, acte 2, la loi, acte 3. Et c'est un CD que vous avez absolument besoin dans vos maisons, c'est la prière. Je chasse les démons, je combats les esprits, et tous ceux qui ont utilisé ce CD ont eu vraiment un bon résultat dans leur maison. Oui, il y a une servante qui écoutait le CD, la servante est tombée. Voilà, tombé. Il y a même un monsieur qui est venu rendre visite à son frère qui est douanier au niveau d'Abidjan. Le CD est en train de jouer. Oh, le monsieur était sorcier. Quand il est rentré dans le salon, il s'est écroulé sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment une onction particulière quand on prend le CD. Voilà, mais donc on a l'occasion tout à l'heure. D'autres disent, mais vous savez, le temps de Jésus-Christ et notre temps, c'est différent. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il dit aux gens. Et moi, je suis contre celui qui ne peut pas actualiser un peu son système. Parce qu'il y a l'époque d'ici, il y a l'époque de Jésus, et puis il y a l'époque de notre époque. Il faut être réaliste. Notre époque a besoin de ça, on a besoin des moyens pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça, c'est vraiment important. On a besoin des moyens pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Celui qui est contre ça, il est démoniaque. Parce que même Jésus à qui appartient l'or et l'argent, quand vous étudiez les saintes écritures, c'est les femmes même qui soutenaient le ministère de Jésus. Jésus ne faisait pas venir l'argent du ciel. Vous avez vu que quand au moment un monsieur il a eu des difficultés, Jésus dit va prendre un poisson. Et quand il a pris le poisson, il opère le poisson, il a eu une pièce d'argent, il dit va payer les impôts. Mais Jésus ne faisait pas de la magie quand il avait besoin des gens. C'est les gens qui venaient soutenir le ministère de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit pas moi aux gens, soyez réalistes. Ce sont les supports comme ça qui nous aident, n'est-ce pas, à faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc vous aurez l'occasion. C'est combien ici, monsieur? 150 dirhams. Ah, 150, ça fait combien? Ça fait 150 dirhams. Ah, il a dit c'est 150 dirhams. Moi, je ne maîtrise pas, je maîtrise plus de 7 et l'euro. Ça fait. Mille francs. Ok, amen. Voilà, donc on aura l'occasion. Voilà, que Dieu bénisse. Voilà, soyez vraiment bénis. Venez vous asseoir. Alléluia. J'ai entamé, on a entamé une séance d'hier. On a abordé le sujet, l'important de chasser les démons. Amen. Je suis le prophète Joël Crasso. Mon ministère consiste à la destruction des œuvres des ténèbres. C'est-à-dire le dévoilement. Notre ministère, c'est le dévoilement et la destruction. C'est une continuité du ministère de Jésus-Christ. 1 Jean 3, le verset 8. Le Fils de Dieu est apparu en train de détruire les œuvres du diable. Je suis contre une église qui ne chasse pas les démons. Je suis contre ça. Moi, je suis contre ça. Parce que les démons sont faits pour être chassés. Vous savez, on vient dans la conversion. On ne vient pas qu'on est délivré, mais on vient posséder. On vient qu'on est possédé. Et l'église doit être à mesure de délivrer les possédés. Or, c'est vrai que d'autres personnes disent les écritures délivrent, c'est vrai. Mais il y a des démons qui ne peuvent pas sortir avec les écritures. Ce n'est pas les saintes écritures qui chassent les démons. Quand Jésus-Christ a ressuscité Lazare, Jésus a dit aux disciples, déliez-le.
Vous allez vous écouter le plus beau sermon, le plus beau prédicateur, la plus grande prédication au monde. Mais si vous êtes habité par les démons, il sera plus difficile d'avoir la délivrance. Or, quand un démon habite un corps, il faut le chasser. C'est tout. Il faut le chasser. Ce n'est pas une prédication qui délivre. Il faut le chasser. La prédication vient pour nous éduquer dans la marche avec Dieu. Or, il y a une action qui devons mener, c'est de chasser les démons. La Bible n'a jamais dit prendre la parole de chasser les démons. Il dit, vous chasserez les démons. Or, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est vrai qu'ils vont aller partout et annoncer l'évangile. Or, ce ministère est en train de s'éteindre. Ce ministère est en train de s'éteindre un peu partout. Les gens, c'est vrai que les gens mettent l'accent. Il faut prêcher la parole de Dieu parce que vous entendez connaître la vérité, vous affranchira, vous rendra libre. Ok, ça c'est très bien. Mais et les démons? Et les démons? Parce qu'il y a une réalité. Après la vie chrétienne, c'est après cet endroit. Oui, il y a une réalité après. C'est vrai que par moments, comme c'est un milieu, un endroit où il y a une atmosphère spirituelle, il y a la présence de Dieu, où vous avez l'impression que le démon, il est calme. Il écoute bien, mais quand vous sortez, il y a une réalité dehors. Hein? Qu'on ne peut plus se maîtriser face à la prostitution, c'est qu'on est possédé. C'est qu'on ne peut plus se maîtriser face au péché, c'est qu'on est possédé. Amen. 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 Or, si on n'est pas délivré, il sera difficile pour nous de mettre les paroles de Dieu en pratique. Or, le rôle que doit jouer un chrétien, c'est de chasser un démon. C'est le ministère de chacun d'entre nous. Ce n'est pas un ministère de crasso, c'est le ministère de chacun d'entre nous. Or, tout ce qui nous arrive, il y a un démon derrière. C'est ça que la Bible dit que malheur, prenons la parole de Dieu. On prend la parole de Dieu dans l'Apocalypse, à partir du chapitre 12. Nous allons prendre l'Apocalypse du chapitre 12. Et c'est ce qu'on est vivre. Je t'avais donné hier. Ah, d'accord. Apocalypse chapitre 12. Le verset 7. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. Si vous êtes en fait la lecture. On nous parle des rejets des démons. Et il y eut une guerre dans le ciel, Michel. Michel et ses anges combattaient. Écoutez très bien la parole. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le démon, contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattaient contre Michel. Mais il ne fut pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Très bien. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la force. Le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui y habitez. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons voir ici dans le passage l'origine des démons. Nous allons parler un peu, nous allons revenir encore sur le démon de la sorcellerie. Mais avant de comprendre, il faut d'abord comprendre l'origine des démons. D'abord, les démons que vous voyez, les démons là, c'était d'abord des anges, des esprits au service de Dieu. Des esprits, c'était des anges. Ils ont pour maître Satan. Aujourd'hui, on l'appelle Satan. Il s'appelait d'abord Lucifer dans le temps, qui symbolise l'ange de lumière. Je vois les gens en train de chasser les. Tu vois, je regarde souvent les séances de délivrance d'autres personnes, parce qu'on apprend toujours aussi avec Dieu. Et puis, je vois des personnes qui sont en train de chasser les démons de Lucifer. C'est une ruse de Satan. S'il vous plaît, si vous voyez quelqu'un en train de chasser un esprit de Lucifer, c'est que le démon est en train de jouer son esprit. Il a perdu cette forme de Lucifer. Il n'est plus Lucifer. Toutefois, quand vous voyez à partir de l'évangile, la Bible n'appelle plus Lucifer. On appelle le diable, on appelle Satan, on appelle le malin. On n'appelle plus Lucifer. Et je vois les gens dire, ah non, non j'ai attaqué. Je voyais quelqu'un qui était en train de chasser un démon. Il dit, le démon dit, je suis Lucifer. Et puis il est rentré dans le jeu. Il est rentré dans le jeu du possédé. Il est. Mais Lucifer, il n'est plus Lucifer.
La signification de son nom, ça veut dire les lumières. Il n'est plus ange de lumière, ce n'est plus un homme. C'est un démon qui veut dire démolisseur. Le diable, il détruit. Donc, il ne peut pas porter la peau de Lucifer. Et puis, toi, tu vas accepter que c'est Lucifer et tu chasses. Le démon se moquera de toi. Ou bien faire semblant pour dire, nous avons besoin de connaissances. Oui. Vous savez, pour maîtriser le royaume de Satan, il faut le connaître. Malheureusement, l'Église ne maîtrise pas. Or, notre adversaire, c'est le diable. Amen. Amen. Notre adversaire, c'est le diable. Lui, il nous maîtrise, nous ne le maîtrisons pas. J'ai une action qui s'est passée aujourd'hui à ma résidence. Et puis, j'ai compris que c'est le démon. C'est-à-dire, il y a des réactions, tu comprends que c'est le démon. Tu n'as plus besoin de rentrer dans certains jeux. Le frère a réglé notre résidence, il a réglé la chose. Et cet après-midi, le monsieur vient. Il nous impose une somme. Et j'étais couché dans la chambre, étant en pleine méditation. J'attends des disputes. Je suis sorti tranquillement. J'ai dit, monsieur, on vous doit combien? Il ne veut pas parler. Il dit, on vous doit combien? J'ai dit, c'est combien? Il a dit, il dit, tiens ton argent, puis il dégage. Qui devant nous? Qui devant nous? Et c'est fini. J'ai compris que je dérange. Oui, je dérange. Donc le diable fait tout pour me distraire. Pour me faire rentrer dans une côte, je ne suis pas rentré dans ce jeu. Parce que j'ai déclaré, j'ai dit, je suis venu chasser les démons du Maroc. Amen. Amen. Je suis venu chasser tes démons. Amen. Des démons qui t'empêchent d'avoir l'argent. Amen. Des démons qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée. Donc, c'est normal qu'il y ait des petites distractions. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Or, l'Église, notre mission en tant que chrétien, c'est de chasser les démons. C'est parce que nous ne les chassons pas qu'ils sont maîtres sur nos maisons, qu'ils sont maîtres sur nos vies, qu'ils nous conduisent. Or, je suis en train de parler de l'origine. Les démons, on les appelait lui et l'ange de lumière. Leur patron est appelé Lucifer. Donc, si vous voyez quelqu'un qui dit, le démon tombe et dit, je m'appelle Lucifer, dis au démon, tu mens. Parce que je sais qu'il n'y a plus de Lucifer. Donne-moi ton nom. Amen. Amen. Il s'appelait Lucifer, qui venait l'ange de lumière. Il n'est plus Lucifer. Il a monté une rébellion dans le ciel. Cette histoire de rébellion, ça ne date pas de maintenant sur la terre ici. C'est une photocopie. Hein? On n'a fait que copier ce qui est dans le ciel dans le temps. Il dirigeait la Coran de Dieu et puis paf, il a vu qu'il était bien. Donc il va monter une rébellion. Il va combler certains anges. Ils vont monter la rébellion. Et ici, quand vous voyez un peu dans Apocalypse, le chapitre 12 à partir du verset 7, la Bible dit qu'il y a eu la guerre. Dieu va envoyer, vous savez, dans le ciel, il y a les catégories des anges. Il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a les archanges. Voilà. Et puis il y a les anges. On aura l'occasion, peut-être si Dieu le permet plus tard, on aura l'occasion de revenir, c'est l'angéologie. C'est vrai que même à l'école biblique, on nous enseigne l'angéologie, mais jamais difficilement les gens enseignent ça à l'église. Mais les anges ont des rôles, les anges, il y a des rôles qui jouent dans la vie d'un chrétien. Et ça, il faut comprendre ça. Amen. Amen. Il y a les soeurs des anges, ça, il faut comprendre ce mystère. Amen. Souvent, les gens n'aiment pas enseigner ça, mais il y a des mystères qu'il faut enseigner aux gens, pour les amener à comprendre beaucoup de choses. Amen. Amen. C'est vrai qu'on n'adore pas un ange. Si vous voyez quelqu'un d'en adorer un ange, c'est une abomination. Les anges sont à nos services. Ils sont à nos services. Je ne vais jamais voir quelqu'un de Saint-Michel, Saint-Germain, Saint-Germain, ça existe? Saint-Germain, Saint-Jacques, Saint-Étienne, Saint-Gabriel, Non, c'est une abomination. Vous ne pouvez pas vous prosterner devant et puis adorer les anges. Non, on n'adore pas les anges. Au contraire, ils sont à nos services. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et nous devons entrer dans ce mystère, nous devons entrer dans cette dimension. Dieu doit nous révéler les choses les plus cachées. Amen. Amen. Donc les anges sont à nos services. Donc les anges sont les esprits au service de Dieu. Il y a eu un combat dans le ciel, alors Dieu m'a envoyé un ange. Vous savez, dans le ciel, c'est tellement organisé. Il y a de l'ordre dans le ciel. Tout ça, la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu, le petit, s'il vous plaît, les portables. Je peux continuer. Le démon a commencé à se manifester. Lucifer, bien sûr, il a commencé à se manifester. Puis Dieu a dit, monsieur, ici, c'est un mot organisé. Il va appeler le ministre de la défense. Vous savez, dans le ciel, il y a un ministère de la défense qui est géré par quelqu'un, l'archange Michael. Celui on a envoyé. Souvent, les gens envoient l'archange Michael dans les combats. C'est une erreur. Hein? Amen. Oui, n'envoyez jamais un ange en train de combattre pour vous. Pourquoi? Parce que la Bible dit que dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Amen. Mais tu as envoyé un ange, j'ai terminé comment? Lui vient te soutenir dans le combat, ce n'est pas à lui de venir. Il viendra. C'est-à-dire, dès que tu déclenches le combat, les anges viendront te. Viens immédiatement à ton secours dans le combat. Ce n'est pas à toi de dire, venez m'aider. Ils sont obligés de venir t'aider dans le combat. Mais toi, déjà, dorénavant, tu as reçu le pouvoir de Jésus. C'est ça.
Il dit, je vous donne le pouvoir, mon nom, de marcher sur les scorpions, les serpents, c'est toute la puissance de Satan, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Dieu envoie le ministre de la Défense qui est la, qui? L'archange Saint-Michel. Michel. 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 Je mets tous les saints. Michel. Amen. Il a envoyé l'archange Michel. Ouais, aller combattre. Et il a dit stop à Satan. Amen. Amen. Il a dit stop. Il a mis stop à la rébellion. Stop. Amen. Stop à la rébellion. Et la Bible dit que Dieu les a chassés. L'archange les a chassés. Et quand vous lisez plus bas dans le message, dans la parole de Dieu, on y fut précipité où? Sur. Très bien. Écoutez très bien la Bible. Sur la terre. C'est pour ça que la Bible dit malheur. La terre. Et. Le verset 12 nous dit que. Nous dit quoi? Régissez-vous, vous qui habitez. Dans le ciel. Hein? C'est pourquoi régissez-vous. Oui, très bien. C'est pourquoi régissez-vous, cieux et terre. Cieux et terre. C'est pourquoi régissez-vous, cieux et vous qui y habitez. Mm-hmm. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande fureur. Sachant qu'il a peu de temps. Ok, sois béni. Amen. Amen. Regardez dans le message. On dit que le diable est malheur à la terre. Ça veut dire quoi? La présence du démon, du diable sur la terre est une malédiction. Le diable ne se trouve plus dans le ciel. J'avoue, je vois d'autres prier. J'ai détruit la présence du Dieu, du diable dans le deuxième ciel. Même s'il y avait le deuxième ciel, qu'il y avait le troisième ciel, le diable ne se trouve plus dans le deuxième ciel. Est-ce qu'on est saisi? Amen. Amen. Est-ce que vous écoutez très bien? On dit, régissez-vous, vous qui habitez les cieux, mais sont pluriel, les cieux. Amen. S'il y avait un, premier ciel, deux, trois, le diable ne se trouve plus là-bas. On est fut précipité, il est descendu sur la terre, et dans la mer. Donc leur prison sur la terre est une malédiction. Donc le diable il n'est plus dans les cieux. Or d'autres avant, jusqu'à l'image de Daniel, qui était en train de prier, où le diable s'est posé après. Non, frère, la Bible nous dit le diable n'est plus dans le ciel. S'il y avait le deuxième ciel, le diable se trouve plus dans le deuxième ciel. Il est sur la terre. Et c'est pour ça que la Bible dit que régissez-vous, oui, qui habitez les cieux. Régissez-vous. Amen. Amen. Malheur à la terre. Parce que la présence du diable ici est une malédiction. Alléluia. Donc le diable est descendu sur la terre. Et le diable est descendu sur la terre. Or, le diable, Lucifer, ne s'appelle plus Lucifer, il s'appelle Satan, qui veut dire adversaire. Amen. Amen. Son nom, c'est l'adversaire. Ça veut dire, si tu vas prendre son extrait de naissance aujourd'hui, tu verras Lucifer là-dessus. Et plutôt Satan, son passeport, Satan, sa pièce d'identité, c'est Satan. Cas de séjour, s'il y en a, Satan. Ouais, cas de séjour. Tu vas trouver Satan. C'est fini. Il a perdu cette position de Lucifer. Il n'est plus Lucifer. Ne chassez jamais des démons de Lucifer. Le diable, c'est ça. C'est un menteur. Et dans la délivrance, il y a des choses qui m'ont fait sortir pour vous faire croire. Je suis Lucifer. Et puis, je voyais le pasteur étant en train de chasser. J'ai dit, mais c'est des conneries. Est-ce qu'il a la révélation? Il sait ce qu'on appelle Lucifer. Oh, le diable s'est bien menti. C'est un menteur. Amen. Il n'est plus Lucifer. Or, il a perdu cette position de Lucifer. On l'appelle maintenant Satan. Satan, c'est toi comme un gouvernement, ses agents, ses ministres qu'on appelle les démons. Or, les démons sont les démolisseurs, ceux qui détruisent. Ils sont les esprits. Ils sont sur la terre. Quand tu commences à commettre un acte, un péché, une désobéissance, ils l'ont dans ta vie. Pour ça, vous allez comprendre que derrière un démon, derrière un péché, il y a un démon. Vous allez dire à un petit, ne voile pas. Vous le frappez. Amenez-le en prison. On les met, non, on le frappe. Papa, il n'est jamais. Je ne l'ai plus fait, je ne l'ai plus fait. Je te jure. Oh. Ok. Dans la semaine, il les met, il répond les belles bêtises. Vous-même, vous êtes surpris. Il est possédé. C'est donc qu'il est possédé. Pourquoi? Parce que sa volonté est contrôlée par un esprit. Il est contrôlé par un démon. Ce n'est plus lui. Tu sais que l'apôtre Paul dit, je ne sais plus ce que je fais. Quand je vais faire du bien, le mal est attaché à moi. Le mal est attaché à moi. Il y a les gens qui sont comme ça, qui sont possédés des démons. Et vous avez l'impression qu'il y a, il y a deux voix à l'intérieur de vous. Il y a la voix qui vous dit, non, ne fais pas. Le monsieur entend, il est marié, tu sais qu'il est marié, tu fais des clins d'œil.
te fait les clins d'œil. Toi, tu es chrétien, tu parles en langue. Il te fait les clins d'œil. Tu sais que ce n'est pas bon. Or, comme tu es possédé d'un démon, le démon va te parler. Ou bien la voix de Dieu va te dire, non, ce n'est pas bon. Et si tu n'arrives plus à contrôler, c'est-à-dire à te maîtriser face à ce péché, ça veut dire qu'il y a un démon qui te contrôle. C'est un démon. Amen. Toi, tu es convaincu que c'est là que tu es en train de poser n'est pas bien. Et tu vas librement poser l'acte. Ça veut dire que tu es contrôlé par un démon. Ou par moment, cette force toi, te domine. Tu ne peux pas maîtriser ça. Excusez-moi, j'ai connu une jeune fille qui me disait, prophète, moi, si je n'ai pas sorti avec trois personnes. Oui, c'est ça, c'est choquant. Oui. Il faut trois personnes avant d'aller dormir. C'est ton cap vert. J'ai cherché à connaître son histoire. Excusez-moi. C'est un premier rapport. Vous savez que le Praia, la capitale Praia, au cap vert, ça veut dire plage en portugais. Praia, ça veut dire plage en portugais. J'ai fini par comprendre que elle était des vierges en bordure de la mer. Et dans la nuit, là-bas, c'est la mer partout. Et donc les démons sont rentrés. Et c'est pas. En fait, c'est. Qu'on appelle. Trois personnes couchent avec une seule personne. C'est pas tous, c'est ça? C'est pas tous. Voilà. Trois personnes ont couché avec elle, j'ai compris. Donc les démons sont restés, les trois. Ils sont restés dans sa vie. J'ai commencé à comprendre. Et quand j'ai commencé à commencer la délivrance, l'esprit a commencé à se manifester. D'abord, elle a déchiré sa robe. J'ai appelé les soeurs, on ne pouvait plus la maîtriser. Parce qu'on sentait qu'il y a une force. Et en elle. Et puis du coup, elle a fait comme si elle voulait accoucher. Excusez-moi, elle a déchiré son dessous. Qu'elle a poussé comme le temps d'accoucher. On a vu un albin qui est sorti. Un albin. Un petit poisson. Nous, délivrants qu'on a vu, on a trop vu délivrance. Mais c'est comme ça la fille a été délivrée. L'esprit est parti, c'est fini. Aujourd'hui, la mariée missionnaire. Si tu dis que puis ça, elle a pris derrière. Oh, quand il y a plus, il y a derrière. Que tu t'arrêtes pour dire c'est qui? Monsieur m'a appelé, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un problème. On dit amen. Amen. Si les pis, ça t'intéresse. Oh, c'est pas ton nom. Pas ton nom, c'est Ozoa. Amen. Amen. Quand t'appelles Ozoa, puis dit les pis, ça t'intéresse, c'est qu'il y a quelque chose. Embêter Ozoa, ça dit la préférée. Oui. La préférée, Ozoa, c'est la préférée. Amen. Alléluia. Amen. Tu es marié. Puis le monsieur te dit, madame, s'il vous plaît, vous êtes tellement belle, donne-moi votre numéro. Si ça t'intéresse, c'est qu'il y a un problème. Or, quand tu es marié, les choses comme ça ne doivent plus t'intéresser. Parce que ça peut envoyer par là dans le foyer. On ne dit pas amen. Amen. Ça peut envoyer par là. Vous savez qu'il y a des emmerdeurs. Ils vont t'emmerder. Pendant que tu es en train de causer ton mari, ils vont t'envoyer quatre messages. Tu me manques pas. Ou bien GTM. GTM. Oh, le monsieur, il est très dangereux. Quand il a vu le premier message, il va vouloir lire le message. Et ça va te créer toutes sortes de problèmes. Amen. Amen. Donc, vous voyez, quand un démon habite un corps, il n'y a plus de maîtrise. On ne peut plus se maîtriser face à quelque chose. Surtout les démons de la colère. Je prends par exemple le démon de la colère. Oui, la Bible dit que mettez-vous en colère. Mais que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Or, la Bible même nous dit que Dieu se met en colère. Il est lent en colère. Vous comprenez? Mais quand on se met en colère, qu'on n'arrive plus à pardonner, on n'arrive plus à se maîtriser face à la chose, c'est qu'il y a un démon. Et ce démon, on appelle un démon guerrier. Et quand vous regardez dans la vie de cette personne, quand vous regardez dans leur lignée, c'est qu'il y a eu des parents guerriers dans leur famille. Et c'est comme un héritage qui reste dans la famille. Chez nous, on dit, ça ne reste pas à l'étranger. Lui, il rêve pour lui, bébé. Amen. C'est la vérité. Pour nous, on dit, il ne laisse pas pour lui à l'étranger. Dès que tu commences, lui, il achève. Amen. Si tu as fait 5, lui, il fait 20. Il s'en fout. Il t'attaque. Attaque à l'âme lourde. On a des pistolets parce qu'il y a des gens qui ont une poudrière dans la bouche. Si, j'en ai une poudrière. Souvent c'est le pistolet. Souvent c'est brrr. Ça c'est lance-roquette. C'est les calaches. Et quand ça fait boum, ça c'est lance-roquette. Ça
peut me tuer un homme. Amen. Femme n'a pas force, mais bouge. Vous avez cette onction là. Sur 50, tu n'es pas désarmé ici là. Tu ne peux pas avoir bon mari. Anne, les hommes me fuient, mais tu as arme dans ta bouche. Comment on va dire? Qui est mouillé à bruit? L'homme même n'est pas mouillé à bruit. Vous êtes les hommes là, il marche avec un calculateur dans la tête. D'ailleurs là, c'est mathématique. Donc il va dormir la nuit, aux soirs, pardon, laisse-le tranquille. Oh, c'est là, il veut régler tous ses problèmes. Vous avez fait parler? On dit la nuit porte conseil, toi tu fais la nuit palable. Amen. La nuit porte conseil, oh pour toi c'est ring. Round, tu fais palable. Dojo, tu fais palable. Mais bon, t'abandonner. Oh, quand il y a un démon guerrier dans ta famille, tu vois que c'est des guerriers, la femme ne peut pas se maîtriser. On ne peut pas se maîtriser. C'est palable. Petit affaire, ça devient affaire. On te dit un, ça devient mille, ça te fait mal. Et puis on explique, aïe, qu'est-ce qui fait mal jusqu'à ce point de se fâcher? Ça veut dire qu'il y a un démon. Il y a un démon. Amen. Il y a un démon. Il y a un démon là. Et on se met, on fait de ça pour un bêta. On est dans son coin. Petite chose. Ça veut dire qu'il y a un démon. On même dort avec son gars de rancune. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un démon guéri dans la vie de cette personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que la vie nous conseille le pardon. La vie nous enseigne le pardon. Quand j'ai un démon guéri dans la vie des personnes, la personne ne pardonne pas. Il y a aussi un esprit qu'on appelle la sirène des autres. Vous connaissez bien l'esprit de la sirène des autres. C'est l'esprit qui aime beaucoup faire des bruits. Vous savez que la sirène fait des bruits. Or, quand une fille, la sirène des autres, elle ne veut pas passer inaperçue. Elle peut passer... une heure du temps devant les classes, les miroirs. On ne sait pas ce qu'elle cherche. Elle se maquille, peinture, colorie, vernissage. Elle s'en va, elle revient, elle s'en va, elle attache. Justement, pour attirer le regard des gens. Elle s'habille justement pour attirer le regard des gens. Elle ne cherche pas assez. Non, parce qu'on a. Non, elle cherche à attirer le regard des gens. À point que quelqu'un marche, vous savez que celle-là, ça vous séduit. Oui, il y a des démarches, mais maintenant, c'est que c'est. C'est chez nous encore, on avait choqué pour séduire. Mais je vais montrer les choses. Choqué pour séduire. Quand tu regardes, tu sais qu'elle a l'air de te choquer. Bah, tu vois tout ciel. Tout ce qu'elle a porté là, c'est transparent. C'est, ça devient comme un envoûtement. Ça peut gâter toute ta journée. Elle te choque toute ta journée mélangée en sorcellerie. Ça devient la sorcellerie. Amen. Amen. Donc quand une fille a la sirène des eaux, ça dit qu'elle ne peut plus être fidèle. Elle ne peut pas être fidèle. Or, là où on ne peut plus être fidèle, c'est qu'il y a un démon. C'est ça qu'il faut être délivré pour entrer dans un foyer. Si tu n'es pas délivré de ce démon, tu rentres dans un foyer qui a un problème. Amen. Amen. Dès qu'il te rend dans le foyer, les voisins, dès que le monsieur part en mission, le voisin te récupère. Oh, vous savez que la femme que vous voyez, c'est le bonheur de l'homme. Amen. Vous savez ça? Amen. Je vous dis aujourd'hui, ne partagez pas vos corps avec n'importe qui. Amen. Oh, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Vous donnez vos bonheurs à n'importe qui. Vous s'éveillez, vous embrasse. Souvent la vie vous prend le bonheur. Et tout le monde vous prend le bonheur. Fraîche. Maintenant, c'est flou là, nous, on veut, vous venez nous donner. Tu es vide. Moi, je suis venu prendre vide. Dégage! C'est ça ton problème. Le bonheur, là, un sorcier est venu prendre ça. Vous savez que quand les gens ont l'esprit de la sorcellerie, quand ils couchent avec vous, ils prennent le bonheur qui est en vous. Parce que les champs de corps, excusez-moi, quand vous couchez le corps, les champs, c'est des échanges d'énergie. C'est des champs d'énergie. Vous communiquez les choses, c'est que vous ne savez pas. C'est vrai. J'ai jamais pas dit non. Il y a une fille dans un village, elle fait délivrance. Elle ne s'est pas dit non. Quand tu dis mademoiselle, elle dit non, c'est toi, c'est où? C'est-à-dire, elle ne s'est même pas dit, je t'aime là, c'est trop long. C'est où à la maison, allons-y. Elle s'est plutôt fatiguée. Non, c'est. Elle dit, c'est où? C'est dans quel quartier?
Chez nous en franco, tu vois qu'on dit Dja, ça dit c'est grave. Dja, elle est dangereuse. Elle va dormir avec toi. Toi, tu parles des garçons, hein? Mais c'est elle qui te gère. Amen. Quand tu finis là, nous on avait la coco, ton ami sort. Elle te sodomise bien. C'est comme ça. C'est bon pour ceux qui les yeux ne restent pas tranquilles. Vous regardez votre femme, elle est belle. Vous cherchez ailleurs. On dit vous travaillez à la séjour, on appelle ça sérieux. Les yeux brillent. Donc la fille, elle a distribué ça dans le village. Quel étranger vient, on dit non. Quel j'ai dit non. Tu as vu le fils, c'est là que c'est la vie. Il y a des problèmes. On voit qu'on ne dit pas non. Oh les garçons, j'aime bien ça. On ne fatigue pas. Quand elle vient, mademoiselle, souple, vous êtes belle. Elle dit, mais vous habitez où? Elle, c'est la maison, elle veut savoir. Après, elle prend mes chaussures, elle prend mon sac. Dja, c'est pour danger. C'est pour te donner coco. On appelle ça hémorroïde. Elle donne coco. Donc, elle a dû subir ça partout dans le village. C'est quand je suis arrivé dans le village, en train de faire les délivrances, que c'est sorti. Les gens ont compris que, ah, c'est parce que je suis passé là. C'est vrai, j'ai passé là. Oh, elle a un kiki spirituel. Hein? Avec le kiki là, c'est terrible. Hein? Je suis en train de régler ça dans mon centre là-bas. Les gens qui ont des kiki spirituels. Tu penses que tu es une femme, tu rompes, tu as fini, non, tu rompes. Tu joues en caisse, c'est batterie, guitare, solo. Pendant que tu rompes, la fille est sur toi. Et peut-être que tu donnes même faiblesse sexuelle. Elle fait de toi. Un homme devient une femme. Elle te détruit. Amen. 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 Donc derrière cet esprit, il y a un danger. Amen. Amen. Ou quelqu'un peut te permettre de donner ça par le contact avec le corps. De donner ça. Et ça dégrade ta vie, ça te détruit. Ça fait que tu ne peux plus être fidèle.